Coucou YouTube! Je tombe avec un gamin complètement psychopathe. Le gosse est fou de chez fou. Mais hélas, il va avoir un petit problème au cours de la partie. Mais ça n'en sera que mieux pour vous. Parce que je vais vous expliquer toute ma procédure pour éliminer deux mecs quand on est en 1 contre 2. Je serai quasiment jamais mis en difficulté. Je laisse découvrir cette partie. Bon visionnage. Peace. Regardez le serveur, les gars. Là j'essaie de sprinter. 35 de latence, 0 perte de paquet. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, je... Si je prenais du crack et un peu d'héroïne au petit-déj. Sûrement que je dirais la même chose. Vous vous rendez compte que même jusqu'au serveur, aux infoserveurs, on nous ment. Le serveur, il est à chier, tu veux monter? Qu'est-ce que tu veux? T'as la tête d'un chat qui veut autre chose. Tu vas aller te balader? Je vais me balader. Si je jouais sur un Nokia 3310, je pense que je trouverais que c'est fluide aussi. Maintenant que la moitié des gens, ils ont quitté le serveur. Hello. Hello, Pinky. Do you like banana? I like banana, my friend. Thank you. Il vient de flinguer quelqu'un? Parce que j'aimais les bananes? You the best? Yes or no? Friend. Yeah, we are friend. Oh. Putain de gosse psychopathe. On est amis? On est amis? Me coming to you. Ça va, mon chien, vas-y installe-toi mon litchi. Installe-toi la litchi, oui. Oh non. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, gamin taré? Hey, ma friend! What did you say? Yes. On est d'accord que c'est un petit psychopathe, hein? Genre, il est pas forcément méchant, mais il tue des chats, quoi. C'est. Ok. Oh, GG! GG! Il est chelou de ouf, hein. Where you from? Oui. Poland. Oui. Poland. Ok. Cool. Okay. Cool. Yeah, cool, cool. 10 choses jolies en Pologne. Oh, my friend. Cracovie. Beautiful. Castel Ksiaz. Oh, le petit taré, t'as compris? Tiens, je sais ce que tu fais dans la vraie vie, probablement. Je fous le feu à des gens. Merde. Pas tous les jours que ça se passe, des trucs comme ça, tiens. Il est en train d'essayer de me viser à la roquette, là. En fait, ce que je me demande, c'est où est son collègue, tu vois. D'ailleurs, chouette cette arme. Je te demanderai où camper. Mais ma camp est si claire que je ne m'y tromperai pas. À la claire conclusion. Si tu veux, il y a un hétéro. Là, tu t'es trompé d'adversaire. Elle fait demi-tour là. Putain, ça va. Ah les gars, et le demi-tour il s'est fait un peu vite, non? On s'est chopé un coup de pression. Ils sont arrivés très vite, mais ils sont repartis à la même vitesse. Ma parole, c'était un français. Il avait rien d'un français, frérot. Il était trop chelou, le gosse. Ça, c'est frère, c'est un gamin qui a vu soit
qui a vu son père étrangler son oncle à table, et après ils ont pris le petit déj ou le dessert tous ensemble, et les biscuits à tremper, ils lui trempaient dans le trou du cul, frérot. Non, mais moi aussi, je me souviens, quand j'avais son âge, je passais mes journées avec mon oncle et tout. Genre, on se faisait des... Ouais. La cible mise à prix a été éliminée. Elle marche vraiment cette arme. Mais ça, Mich, tu sais ce que c'est? C'est la M13. Et en termes de recul, regarde. C'est genre, je t'ai dit qu'il faut, que tu joues M13. Le titre de la vidéo YouTube, je joue avec un enfant psychopathe. Ah, alors, regardez les gars, si on voit ce point qui est en train de remonter cette route, je prends le chemin. Et logiquement, il devrait être sur ma droite incessamment sous peu et on va le défoncer, tu vois. On chope celui qui paraît le plus... Ça sert à rien de courir comme un dératé derrière l'autre. C'est le bordel quand même cette bombe là. Je joue tellement tranquille, les gars, et pépère cette game. J'ai l'impression qu'on va la gagner sans aucune difficulté. Oh merde. Faut que je relativise quand je dis merde. Elle est solide cette M13. Ah mais la M13 est très solide. Hein. Tu vises le haut du corps les gars pour avoir un... Pour essayer d'avoir un time to kill excellent, tu vois, et c'est le feu. Je suis vraiment trop malin. En vrai, tu sais, quand tu knock un pote et qu'il tombe peut-être par là ou par ici, j'en sais rien. Ton collègue, il va attendre de plus te voir pour sauter. C'est pour ça que le temps qu'il ne me voit plus, j'ai fait ce tour et je me suis placé. Genre, tout est trop smooth. Envoie Baptiste, chaud. Voilà, j'ai la hauteur, frérot. Si j'envoie Baptiste en plus, c'est pas bon pour eux. Tu vois, je pense que je serais beaucoup plus discret à tirer avec ça. Ah, il m'a repéré. Oh là là, je l'ai mise sous la pression, la flèche. Ben, elle était magnifique. Hein. Alors place, je ferai un gros détour par la droite. Hein. Donc je vais pré-shot le mouvement qu'ils vont sûrement faire. Fucking sad bastards. La différence entre moi et un autre joueur, c'est que moi, quand je tire, je vise uniquement la tête. Sinon, je vais pas tirer.
si je tire, c'est pour faire mal à la personne, tu vois. On a une autre équipe qui est là, donc il va falloir réfléchir à comment leur couper la rotation au mieux à eux. J'ai l'impression qu'ils se sont pas arrêtés, ils ont peut-être continué. C'est deux snipers, donc il faut faire attention, le crack shield est vite arrivé. Je viens d'avoir une assistance, c'est possible qu'ils soient déjà en train de se fight. Ouais, je vois qu'il y a une voiture en contrebas. Ok, ça va peut-être se régler comme ça. On va voir. On va prendre des infos. Ok, ça joue les gars. On a le joueur à gauche est dans le gaz, le joueur à droite va être push par le gaz. C'est bon, on décale. Alors, il va décaler propre. Melk avait... L'autre a dû descendre un peu dans le contrebas, ouais, c'est exactement ça. Lecture de jeu impeccable du joueur français. C'est un joueur qui joue vraiment extrêmement sa vie. Hop. Je prends mon arme. On reprend le camion maintenant qu'on a mis... En fait, j'ai mis des tirs de pression à cette personne en face, ce qui fait que je peux progresser tranquillement, tu vois. Hop. Je mets le camion à cover. Et c'est parti. Frappe à dispersion. On bombarde. Pendant qu'on bombarde, on remet les deux shields. Ça vient de se soigner en haut, mais ils savent pas que j'ai progressé. Il y a... Maintenant ils savent. Ok, je sais pas où est passé le frérot, donc ça va être le moment de claquer un peu d'argent. Le drone commence son survol. Oh. Il était pas si nul. Nos deux armes sont rechargées. J'ai 21 kills alors que dans cette partie tout le monde a déconnecté et j'avais plus que... Il restait plus que 60 personnes. C'est-à-dire que c'est une excellente partie. On avait 2 points juste avant, ce qui veut dire que là il y a peut-être un fantôme. On prend la ligne. Elle dit. Voilà. Donc, la fameuse info. Alors, il reste les deux dernières teams. Alors, je les ai croisés. Il y a 2 mecs là, un là, un au-dessus. Je me suis retrouvé au milieu de tout le monde. C'est un miracle que je sois encore en vie. Et du coup, on va profiter de cette horreur qui m'est arrivée pour reprendre la hauteur. Ok, il en restait un là-bas. J'ai pas bien compté. Donc, cette petite erreur m'a vraiment coûté très cher. Elle m'a coûté tous mes steams. Donc, ils vont se recharger petit à petit. Mais aussi 5 plaques, ça par contre c'est pas négligeable. Je reste en bord de zone. Comme ça je sais que je suis déjà zoné, je suis humble, tu vois. Ok, j'ai repéré un mec. Il y a plus qu'à progresser de façon intelligente dessus. J'ai la vision. Je sais qu'il y en a 2. Ça va bientôt partir. J'attends le meilleur moment. Le meilleur moment, c'est un endroit où on va pouvoir one shot le mec. On va pouvoir one-shot le mec sans même qu'il puisse nous tirer une seule balle dessus. Ça c'est pour moi le meilleur moment. Donc là, maintenant je me retrouve en situation de 1 contre 1. Où est-ce qu'il est? Le but est de prendre l'information en ayant une cover pour pouvoir se cacher. Si je suis en contrebas, c'est pas bon. Si je suis derrière ces petits arbres, c'est pas bon. Mais j'ai envie de savoir où il est. Hop là. Il a attendu pour lui le meilleur moment pour me tuer. Il a raté. Le fait de rater ce moment-là,
c'est signé son arrêt de mort généralement. Abonnez-vous. Suivons.